My job is like a blessing, but also you make me spend my coins. Live that life, girl. Live that life. Hello, my beautiful people. Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Davina. Do not forget to subscribe and also to turn on your post notification because you don't want to miss any of my videos. You already know the drill. Je suis vraiment désolée de l'écho. As you can see, your girl just moved. L'appartement est... Non, j'en allais dire vide, mais c'est pas vraiment vide. It's just, you know, I'm gonna start buying things, but slowly. Désolée de l'écho, mais j'avais vraiment envie de filmer cette vidéo pour vous. So today, I'm doing a huge collective haul. I say huge, but it's like... I say huge because when I look at the stuff that I have, c'est comme un mélange de plusieurs choses. I have some shoes, perfume, des vêtements, pyjamas, des sacs à main, high-end to low-end. Bon, si jamais vous êtes intéressé, abonnez-vous à ma chaîne. Make sure you thumbs up this video parce que ça m'aide vraiment et continuez à regarder. Et par contre, on va commencer. Je vais commencer avec les sacs à main. Le premier que je vais vous montrer, c'est de la marque Telfar. Telfar. Donc, je sais que vous avez sûrement vu cette marque-là tout partout sur Instagram. Je l'ai acheté, je pense que c'était pendant le mois de février. C'était un spécial Saint-Valentin, je crois. J'ai oublié c'est quoi le nom de la couleur. Si jamais je trouve les liens de tous les articles que je vous montre dans la vidéo, ça va être dans la barre de description. Donc, si jamais vous cherchez quelque chose, vous voulez acheter la même chose que moi, allez voir la barre de description. Le lien devrait être là si jamais c'est encore disponible. I really like it. Moi, j'ai aucun problème avec. I find like it's a cute shopping. You want to go out, you don't want to have like a big, big purse. Ça, c'est vraiment parfait, je trouve. Je sais que les gens, la majorité des gens ont, they have like a problem with the strap because you have the top handle here and then you have the crossbody strap. Mais tu peux pas les enlever. So they're not removable. As you can see, c'est cousu directement dans le sac. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'aime le look quand tu prends une photo et que tu as les bandes qui pendent. I don't know why, I really like that look. Je sais que les gens n'aiment pas, mais tu sais, le sac, tu peux quand même rentrer les bandes et les mettre à l'intérieur si jamais tu veux. Comme ça. Comme moi, je sais pas. Ça ne me dérange pas. Pour le vrai, j'aime vraiment le sac. J'ai rajouté ce genre de porte-clés que j'avais trouvé, c'est où? C'est Guess. Je l'avais acheté, c'est Guess. Puis je trouve que c'était cool, ça rajoute un petit quelque chose au sac à main. Really, really love it. Je l'ai eu vraiment rapide. Je l'ai acheté sur Holt Renfrew. Si vous venez de Montréal, vous connaissez Holt Renfrew. Sylvie, Holt Renfrew, un des deux, c'est ça? Un des deux, je ne me souviens plus lequel. Mais je l'ai trouvé à... J'ai envie de dire 300$ canadien. People do resell those for like 4, 5, 600 even. Donc, 300$ canadien, je trouve que c'était quand même un bon prix. Next bag. This is gonna give you the vibe of Dior. You already know. Je l'ai acheté chez H&M. Oui, H&M. Donc, c'est un petit sac. Je trouve que j'aimais le vibe. C'est comme un petit sac brodé. It's very boho. My style is very boho et chic. So, this is like me in a bag. Donc, ça vient avec le top handle, if you want to bring it this way, or you have the crossbody strap inside. Je sais pas si je vais vraiment le mettre crossbody, je penserais pas là. I really think that this bag, I'm also going to carry it as a top handle, comme ça, je vais l'emporter. La couleur, ça paraît pas vraiment à la caméra, mais en vrai, je vous dirais que c'est comme un beige, light blue or purple, avec un peu de brun, mais c'est vraiment, mais vraiment subtil. With the gold detail, j'adore ça pendant l'été. If you want to wear this with a summer dress or you want to wear this with jeans and a t-shirt, I love it. C'est vraiment cute. Même en vacances, là, ce sera un sac que je mettrai during my vacation. Donc, H&M, pas cher. Je pense qu'il était 30 ou 40 dollars. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Et le dernier sac que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est ce sac à main. Which, I don't know about you guys, but... It's so cute! Je l'ai acheté chez Zara. J'adore la poignée avec les billes en or. C'est tellement beau. Nude bag. I was looking for a nude bag to go out. Not too big, not too small. Donc, j'ai trouvé chez Zara, mais je l'ai acheté chez Zara pendant mon voyage à Londres.
Donc, je ne sais pas s'ils l'ont ici. Je vais voir si je peux vous le trouver, le lien sur Internet. Peut-être que je ne vais jamais le mettre crossbody, mais c'est pas... It's not ugly. Comme... It's cute, though. C'est quand même cute. Mais c'est sûr que moi, je sais que je vais avoir plus tendance à le mettre top handle. Je suis un mélange des deux. I do love top handle, but I am a crossbody girl. Celui-là, vraiment mignon. Il est comme fait un peu comme matelassé en coussin. Avec les détails, trop cute. Moi, c'est surtout la poignée qui m'a vendue. Quand j'ai vu ce sac-là, j'ai dit, oh ouais, you're coming with me. Je vais faire les souliers que j'ai trouvés, ben, souliers, les slides plutôt que j'ai trouvé, puisque j'ai pas d'autres souliers, comme ça va être les seuls dans la catégorie shoes. Encore un autre achat que j'ai fait pendant un de mes voyages. Every time I go on a trip, if I go into a store, there's always something that I'm tempted to purchase. Souvent, on n'a pas les mêmes stocks que les autres magasins dans les autres pays. My job is like a blessing, but also you make me spend my coins. Faire de slide de Coach, la marque Coach, que j'ai trouvé pendant un de mes layovers aux États-Unis. J'étais en Floride. Oh, it's gonna be an unboxing with you because I purchased it, but I never worn it yet. So, Coach. Let's do an unboxing. Coach, it's coming back, ok? Il y avait un moment où c'était à la mode, puis ça a comme perdu son vibe, mais là, la Coach, like, beware. The purses, the slides, the shoes are coming back for the coins, ok? C'est des sandales que j'ai trouvées que... Je sais que ça va être des sandales que je vais mettre en vacances. Like, I'm not gonna wear them in Montreal for sure. Des sandales jello, plastic, jelly fly. On voit pas, mais c'est un peu subtil. Vous voyez le logo Coach sur la partie ici. La semelle, c'est le logo Coach. Je les ai trouvés... c'est quel magasin? Comment ça s'appelle encore? C'est Macy's. Ils étaient 100$. Ils étaient en rabais à 50$. Donc, moitié prix. US, of course, US. Donc... C'est quoi, à peu près un 70$ canadien, que je trouve quand même pour une paire de sandales là, de marque, it's worth it. J'adore ça, de pouvoir les mettre en vacances, autour de la piscine, à la plage. I just really like them, size 8. C'est comme un effet dégradé, ça va de rose pâle à rose foncé, rose bonbon. Il y en avait des oranges, des bleus. The orange was more... Je sais pas, l'orange était comme un orange brûlé, puis même comme j'étais avec ma collègue, puis elle me disait non, le rose est vraiment plus cute. So, I bought them, j'aime vraiment ça. Comme, j'aime les marques, mais j'aime ça quand c'est un peu subtil aussi de temps en temps, quand c'est juste un détail que tu vois. Donc, si tu regardes de proche, c'est là que tu vas vraiment voir le logo Coach, mais sinon, tu vas pas le voir. Donc, Coach Fly for the summer, à la plage avec un gros tote bag. Oh my god, this... It's a vibe. Je vais faire les parfums. Donc, j'ai trois parfums à vous montrer. Ça va être mes parfums d'été. J'ai tellement reçu de compliments que je me suis dit, I have to show you guys because this one, it's a compliment in a bottle. Like, every time I wear this fragrance, I get so many compliments that you already know your sis have to put you on. Le premier, c'est de Maison Margiela Replica, Beach Walk. C'est l'été en une bouteille. Beach Walk, je vous dirais que la description pour eux, c'est Sun Kiss Salted Skin. C'est vraiment... Oh my god, ça sent tellement bon! C'est vraiment... à la plage, ça sent l'été, l'eau salée un peu mélangée, c'est un petit peu sucré. T'as vraiment l'impression d'être à la plage. This one, I get so many compliments. Oh, j'adore. Beach Walk, Maison Margiela, s'il vous plaît, allez essayer ça. Mais ça, je vous dirais que pour l'été, c'est un de mes top. Un de mes top. I love this one. Celui-là aussi, je vous dirais que c'est un que j'ai beaucoup de compliments quand je le mets. C'est Chloé Nomade. Donc, eau de parfum. Cette bouteille-là, non seulement la bouteille, elle est vraiment belle. Quand je vous dis, je reçois tellement de compliments quand je mets celle-ci. Je vous dirais, après la prochaine que je vais vous montrer, this one, oh my god, oh this one is so girly, c'est tellement féminin, oh my god, it smells fresh, girly, tu prends comme un petit peu d'odeur de fleurs, mais pas trop, it's
so delicious. La première fois que je l'ai fait, je l'ai acheté en travel size, puis j'ai tellement reçu de compliments que j'ai dit, ok, non. Like, you're coming into my collection. Assez frais que tu peux le mettre pendant le jour, but date night, this is one of my boyfriend's favorite. Date night, trust me girl, he will be obsessed with you. Et le dernier et non le moins, celui que je reçois le plus de compliments, je l'utilise beaucoup aussi, ça paraît un peu dans la bouteille, c'est Versace Yellow Diamond. Si jamais vous êtes un fan de Dolce & Gabbana Light Blue, mais vous trouvez que Dolce... C'est fou comment ça ressemble à Dolce & Gabbana Light Blue. La raison du pourquoi, c'est parce que Dolce & Gabbana, c'est le Light Blue, c'est fait avec citron orangé. Mais celui-là, c'est juste fleur d'oranger. And oh my god! This one, c'est une orange frais pressée, mais avec un petit peu de note, un petit peu plus dark, which is rich. It smells so good. Je te jure, c'est un bon dupe pour le Dolce & Gabbana Light Blue. Si jamais le Light Blue t'intéresse, mais tu trouves que c'est un peu trop citronné, try this one, trust me. J'ai reçu tellement de compliments avec celui-ci. Depuis que je l'ai acheté, every time I wear it, I get so many compliments. And I'm surprised parce que lui, c'est une eau de toilette. This one is a eau de toilette, it's not eau de parfum. Ce que j'aime avec celui-là, c'est que quand je le mets, j'ai l'impression que moi, je le sens plus. Mais les gens autour de moi le sentent tellement. Maybe it just perfectly meshed into my body chemistry. But this one, you guys, oh my god, Versace Yellow Diamond, try it, I'm telling you. Ma mère, elle adore Dolce & Gabbana Light Blue. Et quand je l'ai fait essayer, automatiquement, elle a dit, oh my god, ça sent pareil. Puis pour le vrai, c'est comme un peu dans la même famille, mais c'est moins intense que le Light Blue. So, if you want to try it, please stop by your Sephora Versace Yellow Diamond. This one smells so good. Now, let's go into clothing. I have a few pieces. I'm going to start with the PJs that I purchased in London. J'ai acheté ces pyjamas-là chez Primark. Let me tell you, I love Primark. We really need to have Primark in Montreal, in Canada. Primark, chef kiss. I have one peach, one yellow, and one gray. C'est tout le même modèle, ok? It's short, with like the fringe at the bottom. Il y a comme une petite dentelle au bas du short avec white polka dots. This is so cute, avec des petits boutons. Il y en a trois boutons ici. Very stretchy. See that? This is a small. Seriously, I could have done an extra small, mais il n'y en avait pas. Mais je me suis dit, comme c'est pour la maison, je ne veux pas que ce soit trop serré. But they fit so well. Ici, j'ai les shorts ici et la camisole, je vais vous la montrer. Qui match parfaitement avec les polka dots. Même chose avec les trois boutons. Il y en a trois ou il y en a quatre? Je ne sais pas compter. Il y en a trois, les trois boutons ici, la dentelle. It's so feminine, girly. Ladies, il faut que je fasse un message, ok? Je sais que des fois, on est paresseuse. We want to just wear whatever clothes that we see as a PJ. But don't do that. It's over, ok? Invest in some nice, cute PJs. You want to be cute even at home. You just don't want to be cute only for people. Be cute for yourself too, ok? So invest in cute PJs, please. Le deuxième, c'est le jaune. Même chose, même concept. Il y a comme un détail de cœur. Vous voyez le design? C'est tellement mignon. Même chose avec le fringe in the bottom. So stretchy avec les boutons. Like this. Puis la camisole qui match avec. So, all my fine Tedden friends, if you are in Primark, go ahead and go buy those PJs, ok? Tellement mignon, cute, confortable, j'adore. Le gris, je pense que c'est un de mes préférés après le jaune. Le gris, I don't know why, I really love gray. C'est simple, mais avec la dentelle aussi at the bottom, puis il y a comme un petit détail de fleurs. C'est tellement mignon, c'est tellement délicat, but it's so cute. Celui-là, mon copain m'aime vraiment, quand je l'ai mis, il était bien à la maison, puis il l'a vu, il a dit, oh, this is cute. La camisole du gris, ce que j'aime avec la camisole du gris, c'est la même chose avec la dentelle, mais je sais pas, vous voyez la bretelle, c'est ajustable, puis c'est en rose gold. C'est un petit détail que peut-être que vous n'allez même pas remarquer, mais je vous dis là, it's so cute, c'est tellement mignon. If you go to Primark, you guys, go cop these, they are so comfortable. C'est tellement des belles couleurs d'été, je trouve, c'est tellement... summery vibe. I have two pieces from Zara that I cop in London. Mais le premier chandail que j'ai acheté,
J'adore cette couleur-là, c'est comme un... Ils appellent ça chartreuse. J'aime, c'est que oui, c'est très simple, but on the cutout, vous allez mieux voir dans la portion Triumph Hall, mais il y a le détail sur le côté ici que tu peux attacher. J'adore ça parce que non seulement c'est simple, but it's still giving you a little sexy. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est une robe. La couleur paraît pas vraiment, ça a l'air washed out à la caméra, mais c'est vraiment un deep green. C'est une midi dress. C'est fait style cut-out camisole sur le côté et c'est quand même long là. C'est vraiment fait long. It's very fitting. I love this dress. I think I will wear this with some nude slides and you see the nude bag that I purchased from Zara. With some sunglasses, brown sunglasses. Oh, oh, oh. The last thing I want to show you guys today in this haul, c'est des vêtements que j'ai acheté de la marque Snood. Je dirais que cette marque, c'est vraiment comme athleisure, luxury pieces, loungewear, comme Snood. Vous avez peut-être déjà vu ça sur Instagram. Moi, c'est comme ça que je les ai découverts. Si vous, if you follow Aaliyah's face, usually she always wearing those pieces. And I was tempted to try them and I did an order. Ça a vraiment pris du temps, c'était vraiment long le shipping. But when I look at the pieces, it's very my style and my vibe. Very comfortable. Le premier ensemble que j'ai acheté, c'est un t-shirt cropped up. C'est lim, it is rib material. Donc vous voyez les lignes ici. C'est vraiment moulant. C'est un moulant que, you see all your curves. It's so nice, so soft. Material is very, very soft. So you have the t-shirt and it goes with the biker short. Je ne l'ai pas encore mis, c'est pour ça qu'il y a l'étiquette sur lui. In a size medium, where you guys gonna see the fit. Rib, high-waisted, very stretchy. What I noticed with her pieces is that they are so stretchy that you can size down. A small could fit, but it was sold out. So I was like, okay, I'm gonna take a medium just in case, but small. Small it is, okay? Next piece is this romper. It's a green romper. It's a short romper. Same thing. I ordered a medium, but I got sent a large, but because the strap are adjustable, I can work with it. But if the strap weren't adjustable, j'aurais demandé un remboursement, mais on voit pas ici, mais c'est clear, les bretelles, donc au moins c'est pas trop évident. This one is a short romper, comme ça, avec les bretelles spaghetti. I feel naked when I wear this. I don't know if it's because the fit is like so smooth on your skin. I feel naked, but it's so cute. C'est vraiment là, this with like, if you feel too like exposed, you can wear this with like maybe like a white long sleeve shirt, some sneakers to give it a more like casual vibe, or even with heels, this would be nice, very, very nice. And then the last pieces, I love this jumpsuit. I love it. Same thing, it's so smooth and fitting that I feel naked. It's a very, very long jumpsuit. It goes all the way down to your ankle. And if you're tall, because I'm 5'4", I still have to really like pull it up. Parce que c'est tellement long que si vous êtes une fille qui est grande, ça va vous faire quand même. A nude with the strap in the middle. Red material again. Je l'ai déjà mis souvent. So first impression, I'm gonna say, seriously, it's worth it. Shipping was a long time. The only thing, I have to be honest with you guys, I have one last two-piece set currently in the dirty clothes. It's a long black sleeve and a legging. My legging, I don't know what happened. I washed it maybe two or three times. There's a hole in it. I have to be honest with you. It might be just my pair. I'm not saying that all her clothing are not good quality, but my pair of legging, I had an issue with it. The top fits so good. It's still perfectly same material. It's a red, black, long sleeve shirt. Very nice, but my legging, I cannot wear it anymore. It's gone. But the shirt, I'm still gonna wear it because it's very nice. All right, you guys. So that is it for my collective haul. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez un produit que vous aimez dans ma collection, ou si jamais il y a un produit que vous voulez me recommander, basé sur les produits que j'ai essayés ici pour vous, please let me know, comment down below, leave me a thumbs up, and also do not forget to subscribe because you don't want to miss any of my videos. I bet you know the drill. Please be safe and take care. I'll see you soon. Peace, you guys.